Il n'a pas mâché ses mots. C'est une vidéo qui a beaucoup fait parler. Le 8 juin dernier, Emmanuel Macron était en déplacement dans la Drôme, où il était allé visiter un lycée hôtelier. L'occasion pour lui d'aller saluer quelques personnes qui l'attendaient avec impatience. Une initiative qui a tourné au vinaigre puisque le chef de l'État a été giflé par un homme sagement rangé derrière une barrière. Damien Tarel était l'invité de Touche pas à mon poste ce lundi 20 septembre. Alors qu'il indiquait avoir giflé le président parce qu'il était indigné, certains chroniqueurs ne sont pas parvenus à garder leur calme, dont Raymond Abou. À chaque fois que tu es indigné, tu mets des baffes, lui a-t-il d'abord demandé avant d'ajouter, je vais t'amener dans des endroits où il y a de quoi être indigné et tu pourras mettre tes baffes. Par la suite, il a souhaité donner un avis bien tranché, moi, j'aime bien la démocratie. Vous n'êtes pas content du président, vous allez voter, a-t-il indiqué avant d'ajouter, douce. Allez voter pour le dégager si vous le souhaitez, a-t-il conclu. Il a perdu son calme. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Raymond Abou a souhaité faire part de son avis. Je sais que Damien a fait plaisir à plein de gens parce que dans la claque qu'il a mis, ça a fait plaisir à beaucoup de monde, dit-il d'abord. Là, il est content, il est venu avec sa chemise et ses cheveux longs et il nous raconte qu'il ne regrette pas, poursuit-il avant de s'énerver, l'exemple que tu donnes. Tu insultes les institutions, la France et ce n'est pas bien ce que tu as fait. On cesse de faire traiter d'abruti dans le monde entier, juste parce que t'as mis ta petite gifle de bouffon. Par la suite, il ne parvient pas à retrouver son calme et enchaîne, parce que pour moi, excuse-moi de te le dire, mais tu es un petit bouffon de cour d'école. Très remonté, Raymond Abou poursuit en affirmant, t'es un guignol mon pote. Moi, j'ai envie de te mettre une vraie gifle, a-t-il conclu. Raymond Abou, pourquoi a-t-il souhaité pousser un coup de gueule? Si Raymond Abou a déploré le geste de Damien Tarel, si est aussi car il pense que celui-ci a un mauvais impact sur les jeunes. Ce que tu as fait si est mal parce qu'après, il y a des enfants qui vont se dire que tu as giflé Macron, tu fais le buzz et tu es dans l'émission d'Hanouna, lance-t-il avant d'ajouter, ainsi, les gens vont aller gifler les policiers, les infirmières et les pompiers, conclut-il. Le chroniqueur a eu beaucoup de mal à garder son calme, tout comme la grande partie des personnes présentes, dont Cyril Hanouna. J'aurais aimé que vous veniez pour me dire que vous regrettez votre geste, que vous avez fait une connerie, affirme le présentateur avant de préciser que son invité paraît normal et il ne regrette pas son geste. Si est-il ça qui me fait peur, a-t-il conclu.